Ouais. Là, on ferme les yeux et on fait un film, quoi. Ah ouais. C'est marrant parce que là, je me rappelle, là, en écoutant, je viens d'avoir un flash de moi dans un coffre de bagnole. Racontez-moi ça. Au Pouliguen, en bagnole. Ma période ado totale, vraiment tête de con, je voulais parler à personne. Et j'étais derrière dans la bagnole, dans le coffre. Alors, je sais pas pourquoi on m'avait mis dans le coffre. Un bizutage. Parce qu'on devait être beaucoup dans la voiture pour aller je sais pas où. Et à la crêperie du Dervin, je pense. Et j'étais dans le coffre et j'écoutais cette musique en boucle. Et je pense que j'étais amoureux d'une bretonne qui s'appelle Nolwenn. Pas du tout la chanteuse. Vous avez compris. On connaît. Et j'étais amoureux d'elle. Elle avait une maison avec des volets jaunes. Et je me suis pris un vrai vent avec elle. Vous avez vu la puissance d'une chanson? Quelques notes de musique et c'est parti. Et voilà. Juste une question technique. Vous l'écoutiez comment? J'ai pris la Madeleine de Proust dans pleine tronche. Vous l'écoutiez comment la chanson dans le coffre? Ça passait à travers les sièges en fait, c'est ça? Ce sont les autres qui l'écoutaient? Non, j'avais le Walkman. Ah, heureusement. J'avais le Walkman et j'avais les yeux fermés dans le coffre et voilà. On voyage avec Guillaume Canet cet après-midi sur Europe 1.